Bien, merci de prendre place. Monsieur Miguel donne pouvoir à Madame Ildirim. Madame Maury donne pouvoir à Madame Villard. Madame Burgot donne pouvoir à Monsieur Poisson. Monsieur Bonnet donne pouvoir à Monsieur Janicot. Madame Zaiter donne pouvoir à Monsieur Jalbi. Madame Ziadibé donne pouvoir à Émile Roger Lamberti. Madame Taillot donne pouvoir à Nadine Rivet. Monsieur Fatimi donne pouvoir à Monsieur Eldid. Amandine Julien donne pouvoir à Monsieur Parnex. Madame Rosette va arriver en retard, elle a donné son pouvoir pour l'instant à Madame Gentil. Et Monsieur Paulia de Faille donne pouvoir à Monsieur Lâche-Damon. Monsieur Alexandre Porto est excusé et il est représenté par Madame Bourget, que je salue. Il convient de désigner un secrétaire de séance et il vous est proposé la candidature de Julie L'Enfant. Julie, d'accord ? Merci. Le procès-verbal du Conseil communautaire du 12 mai dernier vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des observations ou remarques à formuler à ce sujet ? Oui, Madame Leblanc, vous m'aviez manqué. Bon, je note que j'ai déclenché le rire de mes collègues d'à côté. Ça n'est vraiment pas très sympathique. Allez-y. Non, mais mon propos ne porterait pas sur le contenu du PV en lui-même, mais je souhaiterais revenir sur un moment du déroulement. Vous pourriez me dire que c'est trop tard, mais connaissant votre courtoisie, j'ai l'espoir que vous allez me laisser poursuivre. Allez-y. Donc, lors de ce conseil du 12 mai, là, à la 48e minute environ, je me trouvais fort dépourvue quand apparut une délibération dont une partie du texte avait été modifiée, oserais-je dire, à mon insu. Alors, sauf erreur de ma part, aucune modification n'avait été prévue ou annoncée ou proposée lors de la commission. Et donc, dans ce cas-là, je ne relis pas les textes que je croyais connaître. Alors, pour être précis, il s'agit de la délibération concernant les travaux au Bigin. Donc, je voulais juste revenir sur ce moment pour vous demander, Monsieur le Président, que dans le cas où une délibération est soumise à une modification après la réunion de la commission, que au moins les membres de la commission en soient informés si c'est possible, et ça pourrait tout simplement aussi peut-être être précisé par les collègues qui présentent la délibération au moment où elle est présentée en conseil, c'est tout. Pour avoir le temps de réagir. Je conviens que j'ai manqué de réactivité. Et requête acceptée, Madame Leblanc. Bien, avant de procéder à l'ordre du jour de notre conseil communautaire, je voudrais tout d'abord exprimer tout mon soutien aux habitants des quartiers de Limoges et aux maires de la ville qui ont vu leur quartier être le théâtre de violences graves. Ces habitants sont les principales victimes, soit directement, soit au travers des équipements publics qu'ils utilisent. Ce ne sont pas que des symboles qui ont été attaqués, ce sont des services publics, dont la caractéristique est l'universalité. Le préalable à tout est le rétablissement de l'ordre. L'État doit mettre les moyens de sécurité adaptés au degré de violence des délinquants. Ces émeutes se traduisent par deux expressions. Contre tout ce qui représente notre société française et contre la police, avec la volonté de l'affaiblir de la part des bandes qui profitent de la situation pour amplifier leur mainmise sur certains quartiers. Tout propos visant à légitimer la violence est irresponsable. Justice doit être rendue à la famille du jeune tué, il y a 2 jours à Nanterre, au terme d'une enquête qui devra établir la responsabilité du mis en cause. Mais, parallèlement, nos policiers, quotidiennement en danger lors de leurs interventions, doivent clairement être soutenus. Il me paraissait important de vous le dire avant de commencer le conseil. On a un point sur une motion relative aux violences envers les élus et un vote de l'urgence et examen en début de séance. Donc le document vous a été remis. Je suppose que tout le monde l'a. Et donc je vais vous en faire la lecture. Les menaces et les violences envers les élus locaux sont ces dernières années et en particulier ces derniers mois en constante augmentation. Les faits de violence sur les élus signalés ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Cette tendance est particulièrement soulignée depuis ce début d'année 2023. Cette violence à l'égard des maires et des élus locaux révèle une crise civique qui malheureusement concerne tous les dépositaires de l'autorité publique,
ainsi que les agents publics. Après la démission récente du maire de Saint-Brévin et les nombreuses menaces physiques, verbales ou écrites faites aux élus locaux ces dernières semaines, l'Association des maires de France, l'AMF, a renouvelé ses demandes auprès du gouvernement afin de renforcer les actions en faveur de la protection de celles et ceux qui quotidiennement incarnent notre République et servent l'intérêt général. Les élus locaux sont les garants du pacte social et démocratique. Les élus locaux doivent être protégés. Comme après le décès du maire de Signes en 2019, l'AMF sollicite une mobilisation forte des pouvoirs publics pour prévenir ces violences et leur banalisation. La création récente d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus répond à une demande ancienne de l'AMF. Cette structure nationale doit permettre de mieux connaître les phénomènes de violence aux élus, analyser et adapter la réponse des services et surtout coordonner les actions des forces de sécurité intérieure. Cette réponse structurelle doit surtout permettre un renforcement des moyens mobilisés et des actions engagées localement pour lutter contre les violences faites aux élus. Celle-ci associera à la fois les associations d'élus et les représentants des élus au plan national et local. Face à ce constat, Limoges Métropole soutient pleinement les actions engagées par l'Association des maires de France. En ce sens, elle sollicite une mobilisation forte de l'État pour déployer localement les mesures de protection des élus locaux annoncées récemment par le gouvernement, telles, par exemple, le renforcement du caractère opérationnel du dispositif Alarme Élu ou la plateforme Pharos pour mieux détecter et judiciariser les violences en ligne. Au-delà de ces mesures, Limoges Métropole soutient les demandes formulées par l'AMF concernant plusieurs évolutions législatives présentées au gouvernement, afin de permettre de porter les sanctions pénales à un niveau correspondant à la protection dont doivent bénéficier les élus dépositaires de l'autorité publique. De même, Limoges Métropole demande que l'État octroie davantage de moyens humains et financiers aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, dont les moyens d'enquête s'avèrent insuffisants. Enfin, Limoges Métropole, aux côtés de l'AMF, condamne avec fermeté les violences inacceptables exercées sur les élus et les agents publics. Au travers des relations étroites liées avec le préfet et les représentants des forces de l'ordre au sein de notre agglomération, Limoges Métropole sera systématiquement présente aux côtés des élus victimes de violences pour les accompagner et les soutenir face à ces actes intolérables. Limoges Métropole se réserve la possibilité de se constituer partie civile comme la loi le lui permet lorsqu'un élu est victime d'une agression dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat. Il pourra également engager toute action qu'il jugera nécessaire afin de soutenir l'élu agressé. Je suppose que cette motion fera l'unanimité. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées. Je vous en remercie. Une motion d'urgence m'a été remise par Mme Gentil. Il s'agit d'une motion relative au projet de consigne de recyclage de bouteilles en plastique. Le document a été remis sur table et donc pour que cette motion soit lue et votée aujourd'hui, il faut définir son caractère d'urgence et elle sera lue en fin de séance si vous validez ce caractère d'urgence. Y a-t-il des oppositions à ce caractère d'urgence ? Des abstentions ? Donc Sarah, tu nous feras la lecture de la motion à la fin de la séance. Je vous propose que l'on débute la présentation et le vote de nos différentes délibérations. Concernant les délibérations qui font l'objet d'un vote groupé, je tiens à vous rappeler que toute demande peut permettre un vote dégroupé. Donc nous attaquons par le développement économique et je passe la parole à Émile Roger Lomberti. Monsieur le Président et mes chers collègues qui nous avaient soutenus aujourd'hui dans un moment difficile à la suite des événements de la nuit dernière, je vous adresse mes remerciements. J'espère que l'État sera présent ce soir. Comme nous en avons convenu avec Madame la Préfète, et que les populations ne seront pas à nouveau victimes d'une bande de quelques voyous qui ne sont jamais poursuivis, ni voient de pénalisation franche, forte et suffisante par rapport aux actes délictueux et aux désordres sociaux qu'ils entraînent. Le pire, c'est qu'ils les entraînent contre les populations qu'ils fréquentent tous les jours. Développement économique. Mes chers collègues, le Centre d'ingénierie en traitement et revêtement de surface avancée, le CITRA, la convention d'objectifs et de moyens, il vous est donc demandé, conformément à la délibération qui vous a été lue en commission, d'approuver cette convention et le versement d'une subvention à hauteur de 35 000 euros pour 2023 et d'autoriser le président à la signer. La 1-2, le soutien à l'Agence de valorisation de la recherche universitaire du Limousin, la VRUL, pour l'année 2023, il vous est demandé d'approuver la poursuite du partenariat avec cette association et le versement d'une subvention de 153 560 euros pour le programme d'action 2023, intégrant une part fixe d'un montant de 103 560 euros et une part variable de 50 000 euros,
conditionnée à la réalisation d'objectifs et d'autoriser le président à signer la convention afférente. 1.3. Le centre de ressources en cybersécurité. Il vous est demandé d'approuver la feuille de route 2023-2024 du CRC et, dans le cadre de celle-ci, d'autoriser Limoges Métropole à solliciter les cofinancements, d'autoriser le président à avoir la possibilité de recourir à des partenaires et prestataires pour la réalisation de certaines actions par voie de subvention ou de prestation, d'approuver le règlement d'intervention du dispositif transformation numérique volet cybersécurité, d'autoriser le président à prendre les décisions individuelles relatives à la mise en œuvre du dispositif d'aide à la transformation numérique, volet cyber, et d'approuver l'adhésion au CLUSAIR Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 250 euros pour l'année 2023. Et enfin, 1.4, l'adhésion à l'association Dirigeants Commerciaux de France, DCF, est mise à disposition de la salle Forum et du Salon d'honneur au sein de la coupole du Parc Esther. Il vous est donc demandé d'approuver l'adhésion à cette association pour 2023 à hauteur de 650 euros TTC. Merci, Émile. Y a-t-il des questions ? Oui, Madame Elirim. Pas de questions, simplement je me déporte pour la délibération concernant la VRUL. L'agence, oui, de valorisation. Tout à fait. Et Jean-Yves Rigou se déportera également. Oui, Samia. Moi, pour les DCF. OK. Merci, Émile. Un point d'accentuation là-dessus, sur le volet cyber et la transformation numérique. Il faut que vous soyez individuellement nos relais là-dessus. On a pris l'initiative de mettre en place un dispositif d'accompagnement tant sur la transformation numérique des entreprises que sur leur accompagnement à se protéger sur le plan de la cybersécurité. Ces dispositifs, ils sont budgétés, il y a une enveloppe qui est disponible pour ça. Sur la transformation numérique, sous couvert de Mehdi, je crois qu'on est à 140 dossiers qui sont validés, mais c'est insuffisant sur une aire urbaine de cette strate. Et donc, soyez nos relais pour expliquer que ces dispositifs existent auprès des entreprises que vous pouvez avoir dans vos communes respectives, parce qu'il y a plein de gens qui méconnaissent ce dispositif ou qui tout simplement n'en ont pas connaissance et donc qui ne sont pas éligibles de fait. Donc soyez, s'il vous plaît, nos relais en la matière. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes, mon cher Gilles, en termes de dossiers à instruire. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération ? Des abstentions ? Unanimité, merci. Pascal Robert n'est pas. Gaston, gestion des zones d'activité. Création d'une zone d'activité économique, secteur Fonterne, commune d'Oreille. Il vous est demandé d'approuver le principe de la création de cette ZAE, d'autoriser le président à prendre toutes les dispositions d'urbanisme environnemental, archéologique et forestière pour la bonne exécution de l'opération et à solliciter l'obtention de subventions auprès d'éventuels partenaires financiers. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées ? Merci, Gaston. 2.2. Parc d'activité de la Grande Pièce. Limoges, cession d'une parcelle de terrain au profit de la société NG Moteur ou toute autre personne physique ou morale s'y substituant. Je vous ai demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'une parcelle d'environ 1960 mètres carrés et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 25 euros hors taxe mètre carré, soit 49 000 euros hors taxe. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées ? Pascal n'étant pas arrivé, je vais vous le rapporter. Comment ? Oui ? Je vais vous le rapporter. Création d'un budget annexe zone d'activité à Oreille pour faire suite à la décision de créer une zone d'activité sur la commune d'Oreille. Il vous est demandé d'autoriser la création de ce nouveau budget annexe à partir du 1er janvier 2024. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées ? Perte sur créance irrécouvrable. Il vous est demandé de m'autoriser à se prononcer favorablement sur la perte sur créance irrécouvrable qui seront constatées au compte 6541, créance admise en non-valeur, et au compte 6542, en créance éteinte. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées, merci. Garantie d'emprunt pour le logement social, société foncière d'habitat et humanisme, opération Sœur de la Rivière.
Il s'agit d'une acquisition-amélioration d'un logement situé au 6 rue des Sœurs de la Rivière à Limoges, contrat avec la Caisse des dépôts et consignations portant le numéro 146353. Et il vous est demandé de valider cette garantie à hauteur de 50% sur le prêt de 51 961 € contracté pour cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté, merci. En l'absence de Jean-Luc Bonnet, je passe la parole au Premier vice-président pour présenter la partie ressources humaines. Merci. 5 délibérations, groupées, votes groupées. Donc 4-1, personnel communautaire, la révision du protocole sur la durée et l'aménagement du temps de travail. Donc après avis favorable du comité social territorial du début de la semaine, du 26 juin, il vous est demandé de modifier le protocole temps de travail en date du 9 mars 2017, en retirant la disposition relative au régime d'assiduité et les congés qui en découlaient pour une prise d'effet au 1er janvier 2024 et de valider la durée hebdomadaire de travail fixée à 38h20. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté, merci. Continue. Alors, le complément indemnitaire annuel, après avis favorable du comité technique du 26 juin 2023, il vous est demandé d'autoriser la mise en place et le versement du complément indemnitaire annuel selon les modalités précisées dans la délibération pour l'ensemble des agents titulaires, stagiaires et contractuels sur poste permanent. Le 4.3, instauration de la filière sociale et de la filière médico-sociale, à la suite donc de l'embauche en septembre d'un psychologue du travail. Il vous est demandé d'approuver les modalités d'instauration de ces filières et de fixer les taux de promotion et le régime indemnitaire de ces cadres d'emploi. 4.4, tableau des emplois budgétaires. Après avis favorable du comité technique en date du 26 juin, il vous est demandé d'adopter le tableau des emplois budgétaires établi à 872 postes. Et 4.5, organisation des concours et examens professionnels, convention avec le centre de gestion de la Haute-Vienne pour la période 2022-2026. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer la convention afférente. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Fabien ? Monsieur le Président, merci. Donc, il vous est demandé de prendre acte des informations et des rapports annuels. Ah oui, j'ai sauté. Excuse-moi, Fabien. Non, mais je vous en prie, Monsieur le Président. J'ai été trop vite. Excuse-moi. Vote groupé pour les délibérations 5.1 à 5.3 sur le fonctionnement. Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet de coopération environnementale pour la captation des déchets plastiques dans la commune de Palmarin, au Sénégal. Il vous est demandé d'approuver la participation de Limoges Métropole dans le cadre de ce projet de diagnostic partagé à hauteur de 6 354 € et de m'autoriser à signer une convention avec l'association Nébédeï sur la commune de Palmarin. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Adhésion au réseau international Amérique latine, Afrique, Europe et Caraïbes, l'ALEC. Il vous est demandé d'approuver l'adhésion à ce réseau pour un montant de 50 € pour l'année 2023. Oui, madame. Je me déporte aussi. Très bien. Adhésion au réseau international Cités Unies, France, le CUF. Il vous est demandé d'approuver l'adhésion à ce réseau pour un montant de 11 340 € pour l'année 2023. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Et maintenant, Fabien, tu peux y aller. Merci, Monsieur le Président. Donc, il vous est demandé, chers collègues, de prendre acte des informations et des rapports annuels établis par les délégataires de services publics relatifs à l'exercice 2022 qui figuraient dans vos dossiers. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Toujours, Fabien. Donc, on passe aux grands équipements. Donc, avec le projet de création d'une boucle vélo sécurisée sur le site du Vélodrome, donc on en a discuté en commission et en bureau communautaire. Donc on vous demande ce soir d'acter la reconnaissance d'intérêt communautaire. Donc Limoges Métropole, compétente en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, pourrait s'engager dans la réalisation d'une boucle vélo sécurisée permettant de répondre aux attentes du public, au même titre que le centre aquatique, l'Aquapolis, le Vélodrome Raymond Poulidor, le Zénith et la future patinoire olympique et ludique. Un tel équipement n'existant pas sur le territoire communautaire, ni même au niveau départemental et régional,
Et donc, il vous est demandé, chers collègues, de reconnaître l'intérêt communautaire, la création et la gestion de cet équipement conformément à l'article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Je continue. Vincent Gelby. Merci Monsieur le Président. Trois délibérations. Non, il en reste une. Il en reste une. Ah, c'est quoi, moi? Je ne suis pas du tout. On est perdu ce soir. Excusez-moi, Monsieur Gelby. Mes excuses. Contrat de concession de services publics du centre aquatique, intégration des droits de propriété intellectuelle au contrat, avenant numéro 8. Il vous est demandé d'intégrer un article sur le respect des droits de propriété intellectuelle et d'autoriser pour ce faire le président à signer cet avenant numéro 8 au contrat de CSP conclu avec Vermarine et relatif à l'exploitation du centre aquatique de l'Aquapolis. Merci Fabien. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Vincent Gelby. Donc tout d'abord deux délibérations sur les fonds européens. Tout d'abord sur le programme opérationnel FEDER FSE 2021-2027. Il s'agit bien sûr du volet territorial de ces fonds avec une contractualisation avec la région Nouvelle-Aquitaine sur la base de la stratégie que nous avons élaborée conjointement avec Elan en tant que territoire de contractualisation voulu par la région et afin que la sélection des projets par le groupement d'action locale d'Aimont et de Limoges puisse être effective, il est nécessaire que soit conclue une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine dans le but de valider la stratégie d'allocation du volet territorial de ces fonds européens. À cette fin, il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention portée par Limoges Métropole en tant que structure porteuse du GAL, donc pour les deux EPCI, et d'autoriser le président à la signer. Je vous promets que c'est la dernière fois qu'on en parle avant de véritablement mettre en œuvre ce volet territorial des fonds européens. Merci Vincent. Donc avant de procéder à la désignation des représentants de Limoges Métropole. Là, il faut voter celle-ci d'abord. Tu veux voter celle-ci d'abord? Bah, il y avait marqué que c'était séparé. Oui, enfin, on peut faire les deux, mais bon. Donc on vote celle-ci, des oppositions, des abstentions. Adopté, merci, donc vas-y. Donc la seconde, il s'agit effectivement du fonctionnement du GAL et plus précisément de la désignation des représentants de Limoges Métropole au groupe d'action locale. Des représentants doivent être désignés afin de mettre en œuvre ce groupe d'action locale chargé d'animer la stratégie territoriale et de sélectionner puis programmer les projets bénéficiant de ces crédits européens. Dans ce cadre, des instances de gouvernance doivent être constituées. Ainsi, le comité de programmation sera composé de représentants de Limoges Métropole, de représentants d'Elan, d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant à la fois du conseil départemental de Haute-Vienne et de l'État. Il est à noter que ce dernier ne pourra pas avoir de voix délibérative pour les projets à sélectionner, car ce n'est qualifié d'acteur local au sens européen. À cette fin, il vous est demandé donc de désigner pour Limoges Métropole, au sein du collège public, trois représentants titulaires et trois représentants suppléants membres du conseil communautaire, et au sein du collège privé du GAL, quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des acteurs de la vie locale dans le champ d'intervention, dont le champ d'intervention recoupe les axes de la stratégie de développement local, c'est-à-dire économie de proximité, productive et inclusive, tourisme, sport et culture, services à la proximité et développement durable. Et donc, Monsieur le Président, si vous voulez nous donner les titulaires. Alors déjà, la règle voudrait qu'on vote à bulletin secret, mais si vous en êtes d'accord à l'unanimité, nous procédons à un vote classique. Pas d'opposition, est-ce qu'il y a un vote à l'accoutumée? Parfait. En qualité de représentant titulaire de l'État, c'est la candidature de M. Jean-Philippe Aurignac, sous-préfet, qui vous sera soumise, avec comme suppléante Mme Vintouski. En tant que représentant titulaire pour le département de la Haute-Vienne, c'est la candidature de M. Miguel qui vous sera soumise, avec pour suppléant M. Géraudy. Y a-t-il des oppositions à ces candidatures? Des abstentions? Unanimité? Félicitations à eux. Il vous est proposé de désigner au sein du collège public du GAL, en qualité de représentant titulaire de Limoges Métropole, Madame Rabeteau et Messieurs Talamy et Jalbi, en qualité de titulaire, et en qualité de suppléant, Madame Rosette et
messieurs Larcher et Chassin. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées. Et enfin, je vous propose de désigner en qualité de membre titulaire un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, en qualité de suppléant un représentant de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, en qualité de titulaire un représentant de l'Office de tourisme intercommunal, en qualité de membre suppléant un représentant de la société publique locale Terre de Limousin, en qualité de membre titulaire un représentant de l'Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine, pour suppléant un représentant de la Mutualité française, et enfin, en dernier membre titulaire, un représentant de la SCIC Ceinture Verte, et pour suppléant, un représentant d'Interbio. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adoptées. Sur cette délibération, les services notent le déport de Madame Rabeteau, Madame Rosette, Messieurs Larcher, Chassin, Talamy et Jalbi. Tu continues ? Oui. Ensuite, il s'agit d'un vote groupé. Tout d'abord, le contrat de relance, le CRTE, le contrat de relance et transition écologique. Il s'agit de la mise en conformité avec le projet de territoire de Limoges Métropole, puisque lorsque nous avions élaboré et signé en 2021 le CRTE, et notamment sa maquette financière, les fiches et les projets qui y sont attachés devaient, comme convenu, faire l'objet d'une mise à jour à la suite de l'adoption du projet de territoire qui avait été postérieur. À cette fin, il vous est donc demandé d'approuver le nouveau contrat dont la maquette financière et les fiches projets mises en conformité avec le projet de territoire et d'autoriser le président à signer cette nouvelle version du CRTE de Limoges Métropole. Ce contrat pourra faire bien sûr l'objet d'une actualisation chaque année en comité de pilotage, ce qui a d'ailleurs déjà été fait pour cette nouvelle version. Ensuite, création de pistes cyclables, programmation 2023. Validation des plans de financement prévisionnel. Il vous est demandé d'approuver ces plans de financement prévisionnel et d'autoriser le président à solliciter la participation financière de l'AELB, donc ça doit être l'Agence de l'eau Loire, je ne sais plus, du département de la Haute-Vienne, de l'État et de l'Europe et de tout autre financeur non encore identifié à ce jour. Dotation DECIL, demande de subvention 2023, projet d'extension de la ligne 2 de transport en commun jusqu'au centre hospitalier universitaire. Il vous est demandé d'approuver le plan de financement prévisionnel proposé pour l'extension de cette ligne et autoriser le président à solliciter l'ensemble des aides mobilisables, dont la DESIL, bien sûr. Étude pour une opération expérimentale, zéro déchet sur le quartier des Portes Ferrées, validation du plan de financement. Il vous est demandé d'approuver cette démarche d'expérimentation, d'approuver le recours à une étude d'appui à la définition d'un plan d'action de l'expérimentation, ainsi que le plan de financement prévisionnel de cette étude, et d'autoriser le président à solliciter l'ensemble des aides mobilisables pour sa réalisation. Réaménagement des abords et de l'accessibilité du Zénith, cher à mon prédécesseur. Il s'agit ici du plan de financement. Il vous est demandé d'approuver ce plan de financement prévisionnel et d'autoriser le président à solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés ainsi que tout autre financeur. Et finalement, le réaménagement. Alors, est-ce qu'on vote tout ça avant le dernier, Fabien, ou on fait le bloc ? On continue, il ne suit pas. Réaménagement des bâtiments d'accueil associatifs de l'aire d'accueil des gens du voyage, Django Reinhardt, plan de financement prévisionnel. Il vous est demandé d'approuver ce plan de financement prévisionnel et d'autoriser le président à solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés ainsi que tout autre financeur. Merci Vincent. Pas de demande de dégroupement sur le vote ? Oui Ludovic, vas-y. Pas de dégroupement, mais une intervention concernant la délibération sur le contrat de relance et de transition écologique. Alors rassurez-vous, Monsieur le Président, chers collègues, je ne vais pas faire un commentaire sur chaque ligne du contrat, mais peut-être sur une seule, puisque il est prévu dans notre CRTE que Limoges Métropole puisse étudier la réhabilitation et la création de haltes ferroviaires dans le cadre de notre PDU. Ce PDU a été élaboré il y a quelques temps déjà et il se trouve que le contexte est en train d'évoluer. La ZFE n'était pas encore tout à fait dans les tuyaux, elle était un peu éloignée. Là, elle se rapproche de nous. Vous le savez, Monsieur le Président, moi je défends un projet de halte ferroviaire dans ma commune. Nous avons signé récemment un courrier à l'attention du président Rousset pour attirer son attention et pour faire en sorte que cette problématique puisse rentrer dans le cadre de ce qui pourrait être un RER métropolitain.
En ayant échangé avec quelques-uns de mes collègues, il se trouve que la problématique de halte ferroviaire pourrait concerner d'autres communes de notre EPCI. Et peut-être que cette étude qui est prévue, qui est chiffrée à hauteur de 70 000 euros, qui est prévue en 2024, pourrait être lancée le plus rapidement possible. Les astres sont en train de s'aligner. Il y a un texte à l'Assemblée nationale qui a été adopté, qui pourrait faire entrer notre métropole dans le cadre de ce RER métropolitain et bénéficier de financements importants de l'État. Gérard Vandenbroucke disait souvent « Aide-toi et le ciel administratif t'aidera peut-être ». Il est temps que nous nous aidions nous-mêmes, président. Lançons l'étude dès que possible. Nous sommes quelques-uns à être prêts. Il ne faut pas que nous rations ce train-là. Merci. Merci, Ludovic. Propos partagés. Émile ? Conformément à ce que je vous avais dit, mon cher collègue, et ce que j'ai annoncé en conseil municipal, nous avons envoyé le dossier complet à Mme Elisabeth Borne, Première ministre, en demandant expressément que ce soit inscrit, à M. Clément Beaune, à M. Jean-Pierre Farandou, à M. Alain Rousset, j'espère que vous soutiendrez cette démarche auprès de lui de manière forte et précise, au préfet préfigurateur de région, je m'en suis ouvert au directeur général, au PDG de SNCF Réseau, à qui j'ai présenté le projet, et au SGAR. Nous avons co-signé donc une lettre avec le président de l'agglomération, leur envoyant l'ensemble des documents, car, je le répète à tout le monde, lorsqu'on fait partie d'une association, c'est bien gentil, mais faire partie d'une association n'a jamais fait le travail de l'association. Et je suis désolé d'être rentré aussi tard dans cette association, bien après un certain nombre de personnages dynamiques et efficaces, mais il se trouvait que personne n'avait fait de démarche auprès de l'État. Les démarches sont faites. Nous allons suivre ce dossier avec le président. Et j'espère, à la fois sur le plan de l'agglomération, sur le plan de la région, puisqu'il est conseiller régional, et j'invite l'ensemble des conseillers régionaux, s'il y en a d'autres dans cette assemblée, à suivre et à pousser ce dossier. Et je le suivrai, moi, personnellement, auprès de Clément Beaune, auprès de Madame Borne et auprès de Jean-Pierre Farandou. Voilà. Émilie. Donc, c'est fait. Merci. Émilie. Oui, non, je ne peux que m'associer effectivement à vos propos et à ceux de Ludovic, puisque la commune de Condat-sur-Vienne aussi peut être concernée par ce type d'aménagement, d'autant plus que sur Bosmy, donc la commune voisine, on a à l'aiguille, pour ne pas la nommer, déjà effectivement ce type d'arrêt. Donc bien sûr, la commune de Condat sera intéressée et portera aussi ce projet-là. Je crois que les réponses ont été apportées. Il y a deux aspects dans ce dossier. Il y a un aspect soutien indispensable de la part du gouvernement et d'arriver à rentrer dans ce plan national de RER métropolitain. Donc là, le maire de Limoges vient de vous le dire. On a co-signé un courrier cette semaine à l'ensemble des autorités compétentes en l'espèce. Et puis il y a l'aspect local sur l'organisation du réseau, où là, il faut aussi qu'on ait un dossier qui soit bien construit et sur lesquels on va avoir besoin d'éléments techniques et factuels. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas de sujet, on fera l'étude nécessaire à ce dossier-là, parce que je pense objectivement que pour le cas d'espèce, on n'est pas en retard. C'est-à-dire qu'on peut, le dispositif était très fermé au début sur le plan législatif. Il est davantage ouvert aujourd'hui, il va bénéficier à d'autres territoires que des très grandes agglomérations. À nous de se placer, à nous d'avoir les cartes en main, et pour ça, il nous faut des éléments techniques. Donc pas de sujet, on prendra en charge tout cela, Ludovic. C'est bon. Donc là, je mets au vote l'ensemble des délibérations du 7-3 au 7-8. Pas de demande de dégroupement. Oui, vas-y. Je vote contre sur la 7-8. C'est quoi la 7-8 ? Alors, déjà, la 7-3, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. La 7-4, qui
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 7.5, dotation de soutien à l'investissement local, DSIL. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 7.6, étude pour une opération expérimentale zéro déchet. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le réaménagement des abords du Zénith, plan de financement. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et le réaménagement... Quelqu'un m'a parlé là? Non. Le réaménagement des bâtiments accueil et associatif de l'aire d'accueil des gens du voyage, plan de financement prévisionnel. Une opposition? Tu veux dire un mot? Non. Une opposition? Pas d'abstention? Adopté. Collecte et traitement des déchets. Sarah? Oui, alors c'est un projet de nouvelle unité de valorisation énergétique dont tout le monde a entendu parler, en remplacement de l'actuelle centrale énergie déchets de Limoges Métropole. Et il s'agit du lancement de la procédure de création d'un groupement d'intérêt public. Pour ce faire, il vous est demandé de poursuivre l'instruction de la création de ce GIP chargé de gérer le projet précité entre Evolis 23, Limoges Métropole et le CIDET 87, de déposer la demande préalable de création auprès de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine d'ici septembre 2023, puis d'engager les échanges avec les services de l'État en vue de la mise au point du dossier pour permettre aux futurs fondateurs du GIP de délibérer officiellement, après consultation légale, sur la création du GIP au plus tard au second trimestre 2024 pour une création officielle de celui-ci au 1er janvier 2025. Enfin, de prévoir d'ores et déjà la substitution de la nouvelle structure une fois créée à Limoges Métropole, à Evolis 23 et au CIDET 87 et le transfert des contrats et biens relatifs à cette nouvelle UVE. Je continue ? On va faire voter ça. Merci, Sarah. Un mot de remerciement au service et à Jean-Luc Mazot et à Mathieu Jarry pour l'engagement qui a été le leur sur ce dossier. Un dossier qui est complexe. Sarah suit ça de très près et je la remercie également. C'est un vrai gros dossier pour l'agglomération. Je tiens aussi à saluer les très bonnes relations que nous avons avec les partenaires de ce futur GIP, aussi bien le CIDED qu'Evolis 23. Et je crois que dans ce dossier-là, il y a une prise de conscience de travailler dans l'intérêt collectif et en rang serré si on veut aboutir. Donc, Jean-Luc, merci de votre engagement et merci à Mathieu Jarry qui fait un travail technique extrêmement pointu. Y a-t-il des oppositions? Oui, Madame Leblanc. Allez-y. Oui, juste une intervention, enfin une question à vous. Des associations ont sollicité Madame la Préfète pour que soit à nouveau désigné un garant de la Commission nationale du débat public pour la suite donc du projet des concertations. Madame la Préfète, dans sa réponse, a indiqué qu'elle vous avait transmis la demande, donc je ne sais pas si peut-être vous avez déjà répondu. Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire quelle suite vous accorderez à cette demande ? Sarah Gentil va vous répondre. Oui. Donc nous avons reçu ce courrier, nous l'avons regardé. Nous mettons en place une commission où seront présentes ces associations, mais d'autres membres, des élus. Enfin bon, c'est assez large. Donc pour l'instant, on n'a pas vu l'intérêt de demander à des garantes de venir une nouvelle fois, une de Bretagne et une de Paris, pour venir constater le bon travail qui est fait par l'ensemble des services et l'ensemble des élus et l'ensemble des associations concernées. Et puis, j'aimerais ajouter, c'est quand même un coût. Je suis désolée d'être pragmatique, mais s'il faut payer ces dames, il faut payer le transport, il faut payer leur hébergement, juste pour qu'elles soient là un petit peu à regarder, alors que vraiment, ce dossier, depuis le départ, avec la concertation, est très ouvert et tout le monde beaucoup d'entre vous sont venus à la concertation. C'était vraiment, chacun a pu prendre la parole. Donc voilà la décision que nous avons prise. D'autres remarques? Je la passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Sarah, toujours.
Oui, il vous est demandé d'autoriser le président à signer une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage du SIDET 87 et d'Evolis 23 à Limoges Métropole et la convention de financement afférente et de prendre acte, si le transfert de maîtrise d'ouvrage est régulièrement constitué, du lancement par Limoges Métropole de cette consultation. Des questions ? Des oppositions, des abstentions. Adopté, merci. Tu continues, Sarah, de la 8.3 à la 8.5. Donc, sur le règlement de collecte, donc, il vous est demandé d'approuver le règlement de collecte mis à jour suite au renouvellement du marché de collecte 2023-2030 et d'autoriser le président à le signer en vue de son application à l'ensemble des communes. Je continue sur le... Oui. Donc, le contrat de reprise des bacs plastiques en vue de leur valorisation. Donc ce contrat de reprise et de valorisation des bacs hors d'usage arrivant à échéance en août 2023, il vous est demandé d'autoriser le président à en signer un nouveau avec la société Reviplast qui est passée leader national sur ce créneau et que nous accueillons sur notre territoire à Couzex exactement. Je continue. Il vous est demandé également d'émettre un avis favorable sur le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Philippe, cycle de l'eau. Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. Donc, il vous est demandé d'émettre un avis favorable sur le contenu du rapport annuel sur la qualité du service public d'eau potable, mais également sur le rapport annuel concernant le prix et la qualité des services publics de l'assainissement collectif et non collectif. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Vincent ? Oui, oui, mais je n'avais pas de micro, monsieur. Vas-y, parce que ça me gênait. Je vole le micro de Vincent Jalbi. Oui. Il vous est demandé de prescrire l'élaboration du PLUI qui couvrira l'intégralité du territoire communautaire et viendra se substituer aux dispositions des PLU en vigueur. D'arrêter les modalités de collaboration avec les communes membres telles que débattues en conférence intercommunale des maires du 25 mai 2023 et définies dans la charte de gouvernance. D'arrêter les modalités de la concertation publique qui aura lieu pendant toute la durée d'élaboration du PLUI jusqu'à l'arrêt du projet. D'autoriser les services de Limoges Métropole à mener les études relatives à la préparation du dossier relatif à l'élaboration du PLUI et enfin d'autoriser le président à solliciter les avis prévus par le Code de l'urbanisme et à déterminer les modalités. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées ? On continue ? On pourrait presque s'applaudir parce que c'est quand même important un PLUI pour, à l'échelle du territoire. En tout cas, je félicite Monsieur le Président qu'on ait enfin pris cette décision qui me semble très importante. Approbation du projet de révision allégée numéro 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges, reclassement d'une zone naturelle ludique et ou de loisirs NL en une zone NLG sur le secteur du Zura. Il vous est demandé d'approuver cette révision allégée numéro 5. Approbation de la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme DIL, correction des erreurs matérielles des règlements écrits et graphiques. Il vous est demandé d'approuver cette modification simplifiée numéro 1. Et modification numéro 5 du plan local d'urbanisme de Couzex, avis conforme favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale, mais à un examen au cas par cas ad hoc. Il vous est demandé de prendre acte que la modification numéro 5 du PLU de Couzex est dispensée d'évaluation environnementale. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci. Jacques Roux, Affaires foncières. Donc la délibération 12.1, donc, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une emprise de 368 m² à l'euro symbolique d'une parcelle allée de la Petite Vergne à Limoges, qui est propriété de l'entreprise Lotissentre, et d'approuver son classement dans le domaine public communautaire. La 12.2, donc, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de 209 m², moyennant le prix de 5 300 €, donc parcelle 6 rue de Bellac, propriété de Madame et Monsieur Legrand. La délibération 12.3, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de 35 m² à l'euro symbolique au 122 rue des Tuilières, qui est propriété de la société JPI Concept. La 12.4, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à titre gratuit d'une emprise de 303 m²
et d'approuver son classement dans le domaine public communautaire par celle située rue du Puy-Vincent à Limoges et propriété de Noalis. La délibération 12.5, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à titre gratuit d'une emprise de 12 mètres carrés rue d'Alsace à Fétia, propriété de Noalis, et d'approuver son classement dans le domaine public communautaire. La 12.6, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de 860 mètres carrés à l'euro symbolique et d'approuver son classement dans le domaine public communautaire. Parcelle 6 à Ejo, au lieu dit Les Planchettes, propriété de Madame Beyert. La délibération 12.7, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de 495 mètres carrés à l'euro symbolique. Parcelle située au Vigin, au lieu dit Le Bafort, propriété de la société Les Fermiers près de chez vous. La délibération 12.8, il vous est demandé d'autoriser la constitution de droits de passage et d'aqueduc au profit de Limoges Métropole, moyennant une indemnité de 140 euros, donc sur la commune d'Oreille, au lieu dit Bambournay, propriété de M. Cyril Posé. La 12.9, il vous est demandé d'autoriser la constitution de droits d'occupation temporaire à Oreille, toujours au lieu dit Bambournay, sur une propriété de la SCI Logis 87, donc moyennant une indemnité de 100 euros. La délibération 12.10, il vous est demandé de prononcer la désaffectation d'une emprise de 11 mètres carrés, donc si emprise située allée de la Drouille Blanche à Bonnac-la-Côte, de prévoir son déclassement du domaine public routier, d'autoriser la cession moyennant le prix de 55 euros. La délibération 12.11, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à titre gratuit de plusieurs parcelles et d'approuver le classement dans le domaine public communautaire, parcelle donc voirie du lotissement Les Chênes de Grandbois à Ille, propriété des consorts Pragou. Et enfin, la 12.12, il vous est demandé d'autoriser le président à signer une convention de mise à disposition à titre précaire avec M. Prévost pour une parcelle sise à Verneuil-sur-Vienne, au lieu dit Grandvaux, donc à convention à titre gratuit jusqu'à fin 2023, avec une possible reconduction express de 6 mois maximum. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Merci Jacques. Logement social, Catherine? Merci Président. Conformément à la réglementation et afin d'harmoniser et d'améliorer les pratiques des acteurs locaux pour créer les conditions d'un accès au logement social de façon plus lisible et équitable, il vous est demandé d'approuver le PPGDID, le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logements sociaux de Limoges Métropole. Il vous est également demandé d'approuver les contrats de mixité sociale des communes de Riac-Rancon et de Verneuil, de les annexer au programme local de l'habitat de Limoges Métropole et d'autoriser le président à les signer. Il vous est demandé d'approuver le versement d'une somme de 49 500 euros pour le projet de création de logements sociaux par l'ODAC sur la commune de Boisseuil, au hameau des Essarts. Voilà, je m'arrête après. Des questions? Oui, Olivier. Je me déporte pour la 13.3. Oui. Des oppositions, des abstentions? Adopté. 13.4, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la création de logements sociaux par Noalis à Condat-sur-Vienne chez Bordas. Il vous est demandé d'approuver le versement d'une somme de 19 000 euros pour ce projet et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente avec Noalis. 13.5, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux par Limoges Habitat, VEFA Résidence Les Jardins d'Opale, à Fétia dans le cadre de la reconstitution de l'offre démolie au titre du NPNRU. Il vous est demandé d'approuver le versement d'une somme de 20 000 euros pour ce projet et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente avec Limoges Habitat. Très bien. Des questions? Des abstentions? Adopté, merci. Catherine? Il vous est demandé d'adopter le règlement d'intervention financière relatif aux dispositions d'amélioration de l'habitat privé, le fameux outil OPA, d'approuver les différents modèles de convention type, d'autoriser le président à signer les conventions de subventionnement à intervenir et à solliciter toutes les subventions nécessaires à la bonne conduite d'une opération d'OPA et de d'OPA-RU. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Catherine. Et il vous est enfin demandé d'approuver le cadre qui fixe les modalités d'intervention de Limoges Métropole pour la revitalisation des centralités périphériques.
Des oppositions, des abstentions ? Adopté. Concernant le projet d'écoquartier des Portes Ferrées, il s'agit d'un avenant, comme nous avons passé cette semaine au conseil municipal de Limoges, avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics, avenant à la convention constitutive de groupement de commandes entre Limoges Métropole et la ville de Limoges. Et il vous est demandé de prendre acte de cet avenant à la convention, à intervenir avec la ville concernant la maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des espaces publics de l'écoquartier des Portes Ferrées et la coordination SPS et de l'avant de marché, au marché pardon, de maîtrise d'œuvre précité. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Merci Catherine. Politique de la ville, Ibrahima. Participation financière de Limoges Métropole dans le cadre du contrat de ville au titre du deuxième appel à projet. Il vous est demandé d'approuver ces participations financières, d'approuver la convention type de financement et d'autoriser le président de Limoges Métropole à signer les conventions de financement avec les associations et organismes concernés. Merci. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, merci. Animation et coordination des dispositifs d'insertion, Samia ? Oui, merci Président, chers collègues. Il s'agit du plan d'action du PLI 2022-2024 de Limoges Métropole avec la sollicitation du FSE+. Il vous est demandé d'autoriser le Président à solliciter les crédits de ce fonds et à signer les demandes de concours FSE+, ainsi que tout autre document devant intervenir dans ce cadre avec le département de la Haute-Vienne. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Bernard, Association des Amis de la Drône. Pardon. Il vous est donc demandé d'approuver le versement de l'aide financière exceptionnelle d'un montant de 30 000 euros à cette association. Et vous avez une délibération sur table parce qu'il y a donc un premier versement de 15 000. C'est la différence avec ce qu'on avait vu en commission et en bureau à la notification de la présente délibération. Et le versement complémentaire sera conditionné à un niveau d'avancement de réalisation dont vous avez la liste dans le cœur de la délibération. Et donc autoriser le président à signer la convention de financement afférente. Un mot là-dessus, il y a eu une correction, une délib sur table, parce que j'ai considéré que 30 000 euros, ça représente une somme et qu'elle ne peut être allouée sans contrepartie. Et sans réalisation effective de travail, puisque c'est ce que l'on demande à l'ensemble des structures que l'on soutient, donc de manière générique ou ponctuelle. Et donc on a rajouté des critères de conditionnalité au versement de cette aide exceptionnelle. Bien évidemment, si les actions sont menées, nous verserons l'intégralité de la somme. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Vous abstenez, Madame Rivet ? Très bien. D'autres abstentions ? Adopté, merci. Bernard, toujours coordination des dispositifs en lien avec les politiques sociales. Il s'agit de la candidature de Limoges Métropole pour adhérer au réseau des villes amicales pour l'autisme. Il vous est demandé de confirmer le souhait de Limoges Métropole de devenir membre de cette association et de candidater au titre de communauté urbaine amicale pour l'autisme. D'approuver l'adhésion de Limoges Métropole au RVAA à hauteur de 950 euros pour 2023, d'autoriser le président à signer la charte afférente et de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de cette association. Il vous est proposé de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Les candidatures qui vous sont proposées en titulaire, celle de M. Parnex et en suppléant Mme Riffaut. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Non. Je soumets donc ces deux candidatures à vos voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et un est ainsi décidé. Félicitations. Ensuite, Gilles Voirie. Aménagement de la rue de la Bosserie et des abords du centre culturel Jean Cocteau à Panazol, convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre Limoges Métropole et la commune de Panazol. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage relative à cet aménagement et à signer la convention de financement à intervenir. 22. Réaménagement du quartier de la Cité à Limoges, procédure de concertation préalable.
Il vous est demandé d'approuver les enjeux urbains et patrimoniaux poursuivis par ce projet de réaménagement et d'approuver le lancement de la procédure de concertation préalable au titre du Code de l'urbanisme. Et 23, viabilité hivernale des routes départementales sur le territoire de Limoges Métropole, convention avec le département de la Haute-Vienne. Il vous est demandé d'approuver le principe relatif à la rationalisation des opérations de déneigement sur certaines voies départementales incluses dans le périmètre de Limoges Métropole et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Transport urbain. Concession de service public des transports urbains conclue avec la Société de transport en commun de Limoges Métropole. Signature d'un avenant numéro 9. Traitement des impacts pour l'année 2022 du contexte inflationniste de la crise sanitaire. Et vous avez demandé de donner votre accord à la conclusion de cet avenant numéro 9 à la convention de concession de service public précitée et d'autoriser le président à le signer. Des questions ? Oui, monsieur Legemont. Oui, monsieur le président, je me déporte sur cet avenant numéro 9 que j'aurai à signer avec vous. Notez. Des remarques ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Service de navette électrique dans le centre-ville de Limoges, convention de fonds de concours entre la ville et l'agglomération. Il vous est demandé d'approuver le principe du fonds de concours entre la ville de Limoges et Limoges Métropole afin de financer les frais de structure des trois navettes desservant le centre-ville de Limoges pour la seule année 2023 et de m'autoriser à signer la convention afférente. Concession de services publics des transports urbains conclue avec la STCLM. Il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion de cet avenant numéro 10 à la convention de concession de services publics précitée et de m'autoriser à le signer. Y a-t-il des oppositions ? Oui, Jean-Marie ? Je me déporte pour les mêmes raisons. D'accord. Que pour l'avenant numéro 9. Des questions ? Président, oui. Allez-y, Gilbert. J'ai pas appuyé, voilà. Oui, cette convention semble tout à fait légitime, puisque c'est Limoges qui utilise... ces navettes, bon, le fonds de concours 168 000 sur un coût global de 418 000 euros, ça semble tout à fait naturel que Limoges participe. Mais mes questions portent, j'ai deux questions, moi. On vit sans doute une période de transition sur ces navettes. Les deux questions, c'est, il y a une réflexion qui est engagée depuis longtemps maintenant sur, à l'avenir, comment on utilisera ces navettes. Est-ce qu'elles resteront uniquement dédié à l'hypercentre de Limoges, ou est-ce que les autres communes alentour pourraient bénéficier, ce qui semblerait assez légitime, puisqu'on est à la communauté urbaine. Et la deuxième question, alors peut-être qu'elle a été tranchée ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas souvenir, mais est-ce que la décision d'acheter des navettes électriques a été prise, ou est-ce qu'on est toujours dans la location ? Voilà. Je vais répondre à vos deux questions. Là, il s'agit de se prononcer sur l'exploitation actuelle des navettes et de régulariser le passif. Le fonds de concours, il a été acté entre le maire de Limoges et moi-même. La ventilation, elle est faite sur les flux qui composent l'enveloppe des 418 000 auxquels vous faites référence, parce qu'il y a les frais de roulage qui sont directement sous l'égide de la STCLM, qui est le bras armé transport de l'agglomération. Puis il y a les navettes elles-mêmes. Donc le 168 000 correspond à la location pure et simple du montant des navettes et de leurs assurances et de leur recharge. En ce qui concerne le reste, c'est les frais d'exploitation, c'est-à-dire que c'est l'agglomération qui les prend en charge sur un fonds de concours qui correspond à du 60-40. Là, il s'agit bien de régulariser le passif, de valider le principe pour l'année 2023, et oui, il est prévu d'acheter les navettes. Je vous rappelle même que vous l'avez voté à l'unanimité lors du projet de territoire, un achat de navettes prévues. Reste à nous entendre sur la technologie que l'on veut cibler sur l'achat de ces navettes, parce qu'il y a des interrogations sur batterie chaude, batterie froide. Mais oui, nous achèterons les navettes. Là, il s'agit de régulariser le fonctionnement passé et surtout le fonctionnement au cours de l'année 2023. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, sur l'utilisation actuelle, ce sont des navettes, si on veut qu'elles fonctionnent. Les premiers chiffres que nous avions au tout début n'étaient pas très bons. On regarde très attentivement l'évolution du nombre de passagers à l'intérieur de ces navettes. Donc, on a une augmentation significative du nombre d'usagers de ces navettes qui est, à mon sens, liée à la récurrence du service qui est rendu. C'est-à-dire que les gens ont identifié le tracé de ces navettes. Elles desservent des parkings de la ville de Limoges et ça ne marchera que si les gens ont un service régulier. Quand vous voulez qu'un service de transport, qu'il soit navette électrique, aérien, ferroviaire, ça marche lorsqu'il y a une récurrence.
et lorsqu'il y a un service réel qui est rendu. Et donc moi, ce que je crois, c'est que ces navettes, là, dans leur exploitation, doivent être sanctuarisées dans le tracé qui est le leur. Ensuite, sur l'acquisition, on a toujours évoqué la même chose. Je suis assez constant, je ne change pas d'avis. Il y aura une navette dédiée aux communes pour leur manifestation le jour où, nous aurons acquis ces navettes. Madame Méliré m'a demandé la parole en premier. Enfin, vous avez répondu pour partie à ma question, parce que moi, je ne suis pas contre, bien sûr, ces navettes électriques. C'est dans l'air du temps. Mais simplement, je m'interroge sur la fréquentation. Donc on circule tous dans le centre-ville de Limoges, et ce que l'on constate, alors c'est peut-être que moi qui le constate, mais j'ai l'impression que c'est un peu les échos que l'on a, ce que l'on constate, c'est que ces navettes sont peu fréquentées, donc certains même passent leur temps à compter le nombre de personnes qui sont dans ces navettes, et donc on s'interroge inévitablement, parce que c'est un investissement important. Est-ce qu'il ne faudrait pas éventuellement faire une étude plus poussé sur donc les usages, les fréquentations, les horaires, donc sont-ils vraiment adaptés avant de se lancer dans l'acquisition de ces navettes. Et je comprends l'interrogation aussi de certains maires qui se disent qu'après tout, si c'est un équipement communautaire, il doit aussi servir à l'ensemble des communes. Olivier. Oui, alors moi, ce ne sera pas une nouveauté, je ne change pas d'avis non plus. Lors des commissions, j'ai émis les mêmes inquiétudes sur l'utilité des navettes électriques, la fréquentation. Alors, on nous a dit lors de la dernière commission qu'il y avait une fréquentation exponentielle. J'ai quand même quelques doutes, et c'est vrai que c'est un amusement. J'ai jamais employé le terme exponentiel. Ah non, mais c'est pas vous qui l'avez dit, c'est d'autres personnes. Les chiffres nous ont été donnés, c'est quand même des petits chiffres encore aujourd'hui. Alors je comprends mieux dans cette délibération la participation de la ville de Limoges, parce que l'intérêt est essentiellement aujourd'hui encore pour la ville de Limoges. Je me questionne aussi sur l'obsolescence du système, si on les achète. Ça, c'est une problématique aujourd'hui réelle. Et le coût. Il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a pour dire quand c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et là, c'est l'ensemble des gens de la communauté urbaine qui paye. Donc je ne pense pas au jour d'aujourd'hui, malgré ce que vous avez dit, qu'il y ait un intérêt pour les autres communes de la communauté urbaine. C'est pour ça que moi, je voterai contre. Alors Olivier, ça c'est une interprétation qui vous est très personnelle. Vous savez, moi, dans ce cas d'espèce, il y a des gens qui voulaient que l'agglomération paye tout. Il y a ceux qui voulaient tout faire payer à la ville de Limoges, etc., etc. Donc je vois bien la petite musique que vous essayez d'instituer pour faire un peu de politique dans cette assemblée. Je ne vais pas revivre le conseil municipal, donc je vais le clore assez vite, le débat. Moi, je regarde ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire, j'ai pris 14 exemples d'agglomérations de plus de 100 000 habitants. Communautés urbaines, agglo et même métropole. Les navettes, elles marcheront que s'il y a une récurrence. Si vous sortez et si vous changez le circuit de navette tous les 10 jours, parce qu'il faut la mettre à la fête de la fraise ou à la fête de l'escargot ou autre, vous n'obtiendrez jamais de régularité. Je n'ai jamais dit que les chiffres étaient exponentiels, je n'ai jamais utilisé ce terme-là. Je m'appuie sur les chiffres de la STCLM, qui sont pour moi des chiffres factuels, qui sont remontés par les chauffeurs et par les agents. On a un accroissement entre le début de la mise en service de ces navettes sur le centre-ville de Limoges et aujourd'hui, un accroissement de plus de 30% du nombre de passagers. Pas moi qui le dis, ce sont les agents de la STCLM. Je n'ai pas le temps, Madame Méliré, mais je suis ravi de savoir qu'il y a des élus qui aient le temps de pouvoir aller compter qui y a dans la navette. Franchement, c'est que vous n'avez pas assez de travail et qu'il faut vous charger un peu plus en boulot à faire. Mais personne ne peut contester le fait qu'il y a une augmentation du nombre d'usagers dans ces navettes. Mais la condition et le préalable indispensable au fait que ça marchera ou que ça ne marchera pas, c'est la notion de récurrence. Pourquoi vous ne mettez plus personne dans le Paris Limoges en avion, c'est parce qu'il n'y a pas de service. Si vous changez tous les deux jours la fréquence, le tracé, les horaires, etc., vous n'amènerez jamais du monde dans les transports en commun. La première des règles, c'est la régularité et c'est surtout le cadencement. Quand je vous dis que je regarde ce qui se fait ailleurs, la règle, elle est très simple. Toutes les agglomérations participent par fonds de concours, ou 50-50, ou 60-40, dans un sens ou dans l'autre. Vous allez trouver des agglomérations où c'est comme nous, 60-40 dans un sens, d'autres c'est 60-40 dans l'autre sens, mais c'est un peu cocasse de voir que ceux qui seraient hostiles à ces navettes sont des élus de la ville de Limoges. C'est quand même amusant tout ça. Parce qu'au fond, ces navettes, elles participent à la décarbonation,
c'est quand même dans la droite ligne de ce que l'on fait avec notre PDU, notre plan de déplacement urbain. Elle participe sur les compétences municipales, et c'est pour ça qu'il y a un fonds de concours à l'attractivité commerciale, qui pour le coup est une compétence purement ville et pas une compétence intercommunale, mais elle participe aussi puisqu'elle relie des parkings relais au développement économique, compétence de l'intercommunalité, et au tourisme, compétence de l'intercommunalité. D'où la ventilation. Vous savez, on ne s'est pas levé un matin en disant c'est 168 000 versus 200 000. On a regardé sérieusement ce dossier. J'ai regardé sérieusement ce dossier de très près, et pas seulement les services. Et on a fait une clé de répartition et de ventilation qui est acceptée entre le maire de la ville-centre et le président de l'agglomération. Et puis, je vais être très clair, ces navettes desservant des parkings où les gens viennent en voiture. Je veux bien qu'on fasse une étude et vous la donnez. Et vous vous rendrez très vite compte, Olivier, que les gens qui se garent place Winston Churchill, qui se garent place Jourdan, ne sont pas que des habitants de Limoges. Vous avez des gens qui habitent au Palais, qui habitent à Fethia, qui habitent à Panazol. Et donc, à ce titre, ça vous donne un argument complémentaire pour qu'elle ait un intérêt communautaire. Donc, je ne vais pas polémiquer davantage. C'est une décision que j'assume, que je mets au voie, libre de voter contre. Nous sommes dans une assemblée... Oui, Jérémy, vas-y. Oui, je veux intervenir moi sur ce sujet parce que, Monsieur le Président, vous avez évoqué les élus de Limoges. Je pense qu'en fait, l'ensemble des élus qui se sont exprimés pour échanger régulièrement avec eux sont favorables en fait à l'utilisation. Bah, quand on est favorable à votre cours. Attends, je vais finir. Ce sera plus simple. Ils sont favorables au fait qu'il y ait une navette électrique gratuite pour les habitants de Limoges et de la métropole. Mais effectivement, pour ma part, c'est une navette que je vois travaillant juste au milieu du passage de celle-ci. Il y a une vraie forme de frustration de voir que, pour nous, les élus, on trouve que c'est un service intéressant pour les habitants, mais les habitants n'ont pas forcément le réflexe de l'utiliser. Donc, il y a certainement des moyens pour inciter un petit peu plus les habitants. C'est peut-être aussi le rôle de l'élu, des élus que nous sommes aujourd'hui, d'en parler davantage. Le réflexe, effectivement, de lever la main pour arrêter ce que certains font pour arrêter le bus, il n'est peut-être pas naturel. On a peut-être plus tendance à le faire à New York avec un taxi jaune qu'avec un bus navette gratuite. Peut-être qu'il suffirait de communiquer un petit peu plus dans notre magazine, peut-être, d'expliquer réellement comment on peut faire et comment on peut utiliser ce service. Je souscris à ton analyse, mais je vous le redis, ça ne marchera que s'il y a une récurrence et un tracé qui est périn. Si on change les règles du jeu toutes les 3 semaines, ça ne marchera pas. Et effectivement, vous aurez beau jeu de me dire qu'on a du mal à mettre du monde dedans, mais factuellement, il y a une augmentation d'un tiers du nombre de passagers entre le début de la mise en service et aujourd'hui. Allez, je veux pas, je vous le dis, non. 2 minutes. C'est pas la foire, on n'est pas au conseil municipal de Limoges, là. Donc, c'est une intervention par personne et pas 12. Ceux qui n'ont pas parlé, je veux bien qu'ils parlent. Encore 3 interventions sur les navettes et on passe au sujet suivant. Donc, Sylvie, honneur aux dames, tu avais demandé la parole. Après, Philippe Janicot. Président, juste pour... Non, parce qu'en fait, je vous explique ce que vous allez faire. Vous allez paraphraser ce que vous venez tous de dire. Et je vous le dis, vous ne me ferez pas changer d'avis. Donc, perdez pas de temps, mais allez-y. Juste présent pour rappeler à l'Assemblée que le tourisme est une compétence communautaire et qu'aujourd'hui, on voit à l'Office du tourisme qu'il y a un besoin et qu'il y a une demande de la part de nos touristes sur une navette gratuite qui permet d'accéder à différents points, à différents musées, à différents points touristiques. Et il y a un trajet qui a été étudié pour nos touristes qui viennent ici à Limoges. Et je pense que c'est l'intérêt de tout le territoire d'avoir une navette. Et c'est un intérêt communautaire dans nos compétences. Voilà. Merci Sylvie. Vincent. Bien, je vais effectivement tenter de ne pas ressusciter les débats passionnés de la ville de Limoges. Alors effectivement, on ne peut pas contester qu'il y a quelque temps, la navette était peu utilisée et je ne vais pas nier ce fait-là. Alors je ne passe pas mon temps à compter effectivement les personnes qui sont dans les navettes, étant très souvent piéton. En tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que toutes les dernières fois où je suis monté dans la navette, j'ai fait un pause d'ailleurs à ce sujet. Il y avait un minimum 2 personnes en plus de moi-même, jusqu'à 7 personnes un samedi après-midi sur la totalité du trajet. La dernière fois que je l'ai prise encore cette semaine, il y avait 2 personnes.
Donc je crois qu'on, je pense pas qu'on puisse dire effectivement que elles seraient vides en permanence, même si effectivement ça peut leur arriver. Néanmoins, je vais effectivement m'inscrire en faux par rapport à ce que j'ai pu déjà entendre ici, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que j'entends une petite musique qui consiste à dire oui, on est pour, mais finalement on se méfie beaucoup de ce projet-là. Néanmoins, je pense effectivement, comme mon collègue M. Eldine et vous-même président, que ça mériterait une opération de communication bien plus méliorative en direction du public sur la manière effectivement d'attraper la navette. Pour en avoir discuté, et je vais terminer sur cette anecdote, en avoir discuté de manière très méditerranéenne avec des personnes âgées qui ne prenaient pas la navette et qui dorénavant la prennent, y compris de manière régulière, elles étaient jusqu'à présent dans une forme de méfiance et de non-compréhension de la manière dont il fallait le prendre. Donc oui, je crois que c'est important sur cette prise à la fois gratuite, avec des arrêts malgré tout qui sont posés et qui ont été maintenus, et c'est une bonne chose, et puis avec la possibilité de l'aller à n'importe quel moment, je crois que c'est une forme nouvelle, moderne, qui nécessite davantage de communication. Merci, Monsieur le Président. Madame Ildirim, c'est bien parce que c'est vous et c'est la dernière prise de parole. Après, je terminerai par les VP après. Loin de moi donc l'intention de ressusciter le conseil municipal de Limoges, quoi que ce soit, je ne suis pas contre les navettes électriques. Non, mais je n'ai pas vu votre simplement, vote encore. Simplement, là, vous connaissez mon vote. Simplement, je demande ce que les uns et les autres demandent, c'est un bilan, tout simplement, de cette expérience. Si c'est positif, c'est très bien. Et c'est ce que je demande, de toute manière, puisque derrière cela, il y a quand même l'argent public. Voilà. Pas de souci. Gaston. Oui, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure dans la présentation des délibérations d'épurement de passif. Vous l'avez dit deux fois. Ce n'est pas un épurement de passif, il s'agit de régulariser la façon dont les navettes fonctionnaient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles fonctionnaient sur une prise en charge du budget transport par la SCSLM sans qu'il y ait eu d'avenant qui soit pris en, qui soit validé par ce conseil, qui est le seul qui peut délibérer. Donc, les règles appliquées à ce qui vient de s'écouler sont les mêmes que les règles qui s'appliqueront à ce qui s'écoule en ce moment jusqu'à la fin du 31-12-2023. Donc, qui va payer, c'est la STCLM ou c'est Limoges sur la base de la, c'est sur la base de la clé de répartition de 60-40 que je vous demande d'approuver aujourd'hui. D'accord. Et vous avez parlé de fonds de concours. Est-ce que ces fonds de concours sont applicables dans l'autre sens à d'autres communes qui voudraient mettre en place une navette? Potentiellement, ils peuvent l'être, bien sûr. Si demain matin, vous demandiez un fonctionnement identique à celui de la ville, le process serait exactement le même. Mais ce n'est pas ce que je vais vous proposer lorsqu'on va les acheter. Mais vous savez, pour bien vous connaître tous un par un, à chaque jour suffit sa peine. Et donc, on va faire les choses étape par étape. Pour l'instant, il s'agit de valider l'exploitation des navettes actuelles sur la base des tracés qui sont connus en centre-ville. On va acter un achat des navettes validées, d'ailleurs, qu'il faut qu'on fasse avant le mois d'octobre de cette année, parce qu'on a une subvention de 200 000 euros de la part de l'État que je ne voudrais pas perdre. Donc, nous allons acheter les navettes. Et après, on vous proposera un modus operandi de fonctionnement pour les dites navettes une fois que nous les aurons achetées. J'espère avoir répondu à ta question, Gaston. Philippe. Merci, Président. Donc, concernant les navettes, de mon côté, j'ai pu participer avec Jean-Marie et Sylvie sur ce genre d'échange, vraiment concernant ma casquette professionnelle, puisque la gare était un peu à l'extérieur de tout ça, alors que c'est un lieu aussi important, stratégique, pour que les personnes prennent ces navettes. Simplement, sur le constat, je ne peux que le partager. Le constat de départ relativement limité en utilisation, qui, malgré tout, c'est vrai, évolue. Ça, moi, je le partage aussi, ce constat-là. Mais comme j'ai pu échanger avec les services, avec mes collègues élus, moi, je crois à un développement de ces navettes-là, parce qu'aujourd'hui, c'est simplement, quand on parle autour de nous, il y a une méconnaissance du produit. Alors, la récurrence de circulation... Oui, et il faut la maintenir. Effectivement, c'est obligatoire, il faut que le service corresponde à un besoin. Donc la récurrence est très importante entre villes. S'il faut attendre 10 minutes, autant y aller à pied. Donc en clair, la méconnaissance, quand on dit méconnaissance, c'est la méconnaissance de comment ça fonctionne. Méconnaissance, c'est où ça passe. Ça veut dire, c'est les échanges que j'avais pu avoir en disant simplement, il faut faire du marquage au sol important, quelque chose qui tout de suite va être simple. Et c'est la visibilité, il n'y a pas de visibilité. En fait, ces navettes sont noyées dans une circulation de ville. Voilà, ça c'est le constat que je peux faire que partager avec des personnes qui aujourd'hui connaissent qu'elles existent. Par contre, elles ne savent pas où les prendre, quand les prendre,
Voilà, elles savent que c'est gratuit par contre. En plus, c'est bien marqué dessus, alors, donc on le voit bien. Mais voilà, moi je pense qu'il y a une marge de progression assez simple pour moi. Dans le transport, il y a assez, voilà, c'est juste faire mieux connaître ces navettes-là que quand on se balade à Limoges, qu'on sait qu'en Zancy, on la prend tout de suite. Voilà, c'est des choses que les gens ne savent pas. Quand on ne le sait pas, on ne peut pas les prendre. C'est tout. Monsieur le Président. Merci Philippe. Si j'étais taquin, je te dirais que, en toute amitié, la communication et l'expertise du transport, tu le connais bien en tant qu'agent de la SNCF. Vous n'êtes pas obligé de rire, hein, c'est pas drôle. Je le mets aux voix. Attends, Guillaume. Pardon, Bernard, excuse-moi. Oui. Oui, moi je voulais simplement dire que ça dépend, nous aussi, je pense qu'on a une part de responsabilité, même si on doit retravailler la communication, effectivement, il y a encore des confusions. Communiquer nous-mêmes. Moi, pratiquement tous les samedis après-midi, je vais à Limoges, je me gare vers la mairie, je prends les navettes, et je vous assure que en 8 minutes, la fréquence, c'est 8 minutes du mercredi au samedi, et ça fonctionne super bien. Donc, donnons l'exemple, et je pense que c'est un outil qui doit fonctionner. On n'est pas plus bête que Pau, Reims ou Dijon, où ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à rendre ce service qui est vraiment dans l'air du temps. Merci Bernard. Je le mets aux voix. Qui est contre? Franchement, Olivier. Qui s'abstient? Adopté. Merci. Jean-Marie, schéma de recharge, directeur d'infrastructure. Oui, merci, Monsieur le Président. Il vous est demandé de fixer le montant donc, d'une redevance des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans sa partie fixe correspondant à l'implantation et à l'exploitation des infrastructures précitées sur le territoire de Limoges Métropole et de prendre acte de la nécessité de conclure avec l'opérateur choisi, Isivia, une convention cadre. Juste, je vous rappelle, Monsieur le Président, et à vous tous mes collègues, que les emplacements des bornes, c'est une question qui m'a été posée en commission, seront déterminés de manière conjointe entre l'opérateur, sur proposition de celui-ci au départ par rapport à la technicité, les élus et les maires de chaque commune et les services, bien évidemment, techniques des dites communes et ceux de Limoges Métropole. Donc, nous ferons le tour, on a commencé à le travailler, de toutes les communes pour le positionnement de ces futurs emplacements de bornes de recharge. Je vous rappelle que la maintenance est supportée en totalité par l'opérateur. Et pour donner un peu de baume au cœur, même si l'échelonnement est très long, 15 ans, nous devrions avoir une redevance totale qui rapportera à Limoges Métropole la somme de 2,5 millions d'euros TTC. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jean-Marie. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Émilie, biodiversité. Biodiversité. Création d'un comité de suivi des sites de compensation de Limoges Métropole. Il vous est demandé de donner votre accord à la création de ce comité porté par Limoges Métropole, de valider sa composition, sa présidence et sa fréquence de réunion. 23.2. Avenant numéro 1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage relative à la mise en place d'une gestion éco-pastorale de terrains communaux à Boisseuil. Il vous est demandé d'approuver le principe de travaux complémentaires concernant la pose de clôture sur les terrains précités pour la mise en place d'une gestion éco-pastorale et d'autoriser le président à signer cet avenant. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées? Merci. Toujours, Émilie. Aménagement des rivières, modification des statuts de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Il vous est demandé de prendre acte de la décision de l'EPTB de valider l'adhésion du département des Deux-Sèvres au syndicat et de valider le projet de statut révisé en ce sens. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées? Merci. Transition énergétique? Déclaration d'intention d'organiser une concertation préalable à la réalisation du projet de pôle de transition écologique Écopôle Aster. Conformément au Code de l'environnement, il vous est demandé d'approuver la déclaration d'intention d'organiser une concertation préalable à la réalisation de ce projet. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées?
Cotisation supplémentaire 2023 de Limoges Métropole au Centre régional des énergies renouvelables. Il vous est demandé d'approuver le nouveau montant du coût de l'adhésion de Limoges Métropole au CRER pour l'année 2023 à hauteur de 7 100 € et de modifier en conséquence la délibération numéro 4.1 du 14 décembre 2022. Résiliation du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par la centrale énergie déchets de Limoges Métropole et nouvelle procédure de mise en vente de la production électrique excédentaire de l'usine. Il vous est demandé d'autoriser le président à engager la procédure de résiliation de ce contrat conclu avec EDF, d'approuver la procédure de mise en vente de la production électrique excédentaire de la CEDLM et d'autoriser le président à signer un nouveau contrat de vente avec un acheteur pour une durée dont le terme ne peut dépasser le 31 décembre 2025. Concession de service public pour l'exploitation et la modernisation du réseau de chaleur de Beaubreuil. Approbation du choix de l'attributaire et du projet de convention. Il vous est demandé d'approuver le choix de retenir comme concessionnaire pour l'exploitation et la modernisation de ce réseau de chaleur le candidat Dalkia, d'approuver le contrat de concession de service public afférent et d'autoriser le président à le signer pour une durée de 8 ans et 9 mois. Concession de service public pour l'exploitation et le développement du réseau de chaleur du centre-ville de Limoges. Approbation du choix de l'attributaire du projet de convention. Il vous est demandé d'approuver le choix de retenir comme concessionnaire pour l'exploitation et le développement de ce réseau de chaleur le candidat Engie Energy Service, d'approuver le contrat de concession de service public afférent et d'autoriser le président à le signer pour une durée de 30 ans. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Merci Émilie. Réseau de chaleur et froid, Joël Gracier. Périmètre de développement prioritaire du réseau de chaleur du Val d'Orance. Il vous est demandé de prendre acte du classement en tant que réseau de chaleur du réseau Val de l'Orance et de donner votre accord pour la mise en place de son périmètre de développement prioritaire respectant la carte et les seuils de puissance proposés. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Bernard, pour terminer. Donc, pour terminer, je vais vous parler du projet alimentaire territorial et des actions 2023 sur un projet qui va de 2021 à 2023. Il vous est demandé d'approuver le cofinancement des actions portées par les partenaires au titre du programme d'action 2023 et d'autoriser le président à signer les conventions annuelles d'objectifs et de moyens avec chacun des partenaires. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Merci. Sarah, la motion d'urgence. Oui, alors motion contre le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques en France. Donc, dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route emballage 2024-2029, le gouvernement a lancé une concertation nationale autour de la mise en place éventuelle d'une consigne pour le recyclage des bouteilles de boissons en plastique. Ce projet n'avait pas été retenu dans la version finale de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, adoptée le 20 février 2020 suite à une large mobilisation des associations d'élus opposées. Cependant, l'article 66 de cette loi prévoyait le lancement d'une concertation en 2023 sur les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi si les performances cibles n'étaient pas atteintes. Pour rappel, la loi AGEC a retranscrit la directive européenne dite Single Use Plastic de 2019 en imposant notamment des objectifs ambitieux du taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons en France, à savoir objectif de 77% d'ici à 2025 et de 90% d'ici à 2029. En 2021, ce taux de collecte est de 61% en France, 74% pour la Nouvelle-Aquitaine, selon le rapport d'activité annuel de Citeo. Cette trajectoire semble être jugée insuffisante par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour parvenir à atteindre les objectifs pour 2025 et 2029. Cette concertation, prévue pour 6 mois, a démarré le 30 janvier 2023. Elle a pour objectif de prendre une décision éclairée sur l'éventuelle mise en place d'une consigne en recueillant les avis des différentes structures invitées à y participer. La concertation nationale a également été déclinée dans chaque région sous le pilotage des directions régionales de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
avec notamment une réunion publique qui s'est tenue à Limoges le 9 mai 2023, à laquelle nous avons participé. Les associations des maires de France, France Urbaine, Amorce, Intercommunalité de France et le Cercle National du Recyclage s'opposent à ce projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques. Le taux de collecte à 90% est en effet atteignable en France autrement que par ce projet de consigne par recyclage. L'achèvement au 1er janvier 2023 de la généralisation de l'extension des consignes plastiques, associée à des centaines de millions d'euros investis dans les centres de tri, la poursuite du déploiement de la tarification incitative sur certains territoires et le déploiement de nouveaux modèles de collecte, comme l'inversion des fréquences de collecte sur Limoges Métropole ou encore la collecte en sac transparent en Charente, par exemple, sont autant d'actions qui vont améliorer fortement le taux de collecte. Il est vrai que les bouteilles plastiques consommées hors foyer, 15% du gisement total, sont à l'heure actuelle encore très peu triées. Mais l'article 72 de la loi AGEC prévoit la généralisation du tri hors foyer dans l'espace public d'ici 2025, avec de récents appels à projets soutenus par l'éco-organisme Citeo. Il s'avère également qu'aucune corrélation entre consigne et performance de collecte n'a été démontrée au niveau européen, avec par exemple le Danemark et la Suède disposant de la consigne et affichant un taux de recyclage inférieur à la moyenne européenne, contrairement à l'Espagne ou l'Italie, qui présentent des performances supérieures sans consigne. Cette consigne viendrait complexifier à nouveau le geste de tri des usagers après des années d'efforts de simplification en lien notamment avec l'extension des consignes plastiques à peine achevées sur le territoire français. En effet, les usagers devraient ramener leurs bouteilles en plastique dans des automates installés principalement autour des enseignes de la grande distribution et laisser les autres et les flacons en plastique dans le bac de tri. Le nombre d'automates sur le territoire de Limoges Métropole ne pourrait jamais répondre aux enjeux de proximité du service public de gestion des déchets actuellement assuré par la collecte hebdomadaire des 72 000 bacs de tri et 300 points d'apport volontaire desservant le territoire de Limoges Métropole. Le déploiement de cette consigne aurait également un impact non négligeable sur le pouvoir d'achat des citoyens. Le surcoût, environ 20 centimes d'euros par bouteille, pour tout achat de boissons conditionnées dans des bouteilles en plastique, ne serait pas totalement récupéré par les usagers en raison d'un taux de non-retour de la consignation de l'ordre de 20% selon les retours d'expérience des pays européens concernés par ce modèle. De plus, les habitants continueront à payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères amputée de la recette des ventes du plastique PET, soit 20% des recettes des ventes des matériaux recyclés et sans possibilité d'optimisation technique du service. Donc les bouteilles ne représentent que 3% du gisement collecté. De même, le modèle économique de Valorplast, l'opérateur historique de la filière de recyclage des emballages plastiques ménagers en France et repreneur des flux plastiques de Limoges Métropole, serait entièrement remis en question. En effet, le mécanisme de reprise proposé par la filière repose sur une mutualisation des coûts et des recettes liées à la reprise entre les emballages plastiques qui génèrent des recettes comme les bouteilles de PET clair et ceux qui coûtent pour leur recyclage. Pour rappel, cette mutualisation réalisée par Valorplast a toujours permis d'assurer la continuité de la reprise lors de situations de crise, comme lors de la crise du Covid-19 ou lors des ralentissements de l'industrie du recyclage. Sur le plan environnemental, la consigne par recyclage ne permet pas de réemployer les bouteilles en plastique, mais simplement de les recycler, comme le font déjà les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets. En effet, la bouteille plastique est aujourd'hui le déchet plastique le mieux collecté sélectivement et recyclé
contrairement aux autres emballages plastiques tels que les pots de yaourt, les paquets de chips, les emballages multicouches et autres déchets contenant du plastique comme les jouets, déchets d'équipements électriques et électroniques, meubles, vêtements et couches. Cette consigne par recyclage n'apporte également aucune réponse à la priorité des objectifs de réduction des déchets, avec pour rappel l'objectif de 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025 et l'objectif de réduire de 50% d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché. Ce projet semble plus s'apparenter à une mise de greenwashing au service d'une stratégie commerciale des industriels de la boisson et de la grande distribution. Enfin, la consigne par recyclage des bouteilles plastiques ne répond en rien à la problématique de la pollution plastique en mer, sachant que 80% des déchets marins sont des plastiques, selon l'ONU, mais que 90% des plastiques retrouvés dans les mers et les océans et qui ont une origine terrestre viennent de 8 fleuves d'Asie et de 2 fleuves d'Afrique. Donc, après toutes ces explications, les élus de Limoges Métropole demandent au gouvernement d'abandonner le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques en France, de mobiliser massivement les Français autour de l'extension du geste de tri simplifié à tous les emballages, à travers notamment le déploiement de campagnes nationales régulières de communication, de développer des modalités de collecte incitant à davantage de performances en mettant en place des programmes d'amélioration des dispositifs de collecte et de tri, notamment en zone urbaine, à travers des appels à projets, de disposer d'un cadre plus contraignant pour les éco-organismes en matière de collecte sélective et de tri de tous les emballages plastiques, à travers notamment l'amélioration du taux de prise en charge des coûts des collectivités locales, de renforcer la régulation sur la mise sur le marché des emballages en plastique en rationalisant les résines et adjuvants et en imposant leur recyclabilité, d'encourager le déploiement de la vraie consigne par réemploi, comme le proposent des associations de protection de l'environnement, comme des exemples de Zero Waste France et Surfrider, d'encourager l'action internationale des collectivités pour appuyer les pays en développement dans la lutte contre les plastiques. Merci, Madame Gentil. C'était long, je suis désolée. Madame Leblanc. Attendez, c'est... Le spectacle n'est pas fini, Madame Leblanc. Ça pourrait valoir quand même, je ne vais pas dire un rappel à l'ordre du président. Non, mais ce n'est pas pour vous que je dis ça, c'est pour l'ensemble de la collectivité. Oui, oui, bien sûr. Le monsieur loyal, c'est moi. Hein. Bah, vous voyez, je suis le monsieur loyal du cirque local, c'est comme ça que la presse me définit. Je voulais faire bref et... Je voulais faire bref et voilà que vous rallongez inutilement. Je trouve qu'on aurait pu... évidemment, j'adhère complètement à tout ce que vous voulez dire. Et je pense qu'on aurait pu, résumer l'argumentation. Vous avez évoqué le terme de greenwashing, chers collègues. Je pense qu'on pourrait résumer l'argumentation en ajoutant que certains secteurs que vous avez cités voient aussi dans cette campagne de demande de recyclage une potentielle manne financière et que du coup, pour toutes ces raisons, il faut absolument voter cette motion. Merci. Donc je mets cette motion aux voix. Qui s'oppose à la motion? Qui s'abstient? Madame Gentil, vous faites l'unanimité. Félicitations. Monsieur Doucet, attendez, deux secondes. Oui, monsieur le Président, chers collègues, une chose un peu moins drôle et un peu plus sérieuse. Il y a quelques mois maintenant, la voix du dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane s'est éteinte. Et depuis quelques jours, la Fondation du patrimoine a lancé une souscription pour la rénovation et la remise en état des ruines
du village d'Oradour-sur-Glane qui permettrait d'assurer une pérennité et un devoir de mémoire qui est indispensable dans le temps. J'aurais aimé, Monsieur le Président, qu'on puisse étudier la possibilité du versement d'une somme au titre de cette souscription de la Fondation du patrimoine et que ce dossier puisse être étudié au cours d'un prochain bureau communautaire et adopté lors d'un prochain conseil communautaire qui pourrait être au mois de septembre puisque la loi autorise les collectivités et c'est la demande que j'ai fait mardi soir au conseil municipal notamment de Panazol et j'aimerais bien que la communauté urbaine puisse engager la même démarche si bien évidemment cette demande requiert, enfin bénéficie de l'accord unanime de l'ensemble de nos collègues. Requête accordée, bien évidemment, et on mettra ça à l'ordre du jour d'un prochain bureau. Mes chers collègues, merci pour votre assiduité, et on vous offre un verre à côté. Et Olivier, vous faites baisser mes statistiques. C'est fait exprès.